Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele Lukelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et de cet Esprit, dit Papa, Diangenda, Kuntima, les trois glorieux ont sa divinité, Tata Nkwatulendo, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, dans le cadre de notre travail, notre exercice communicationnel, on est aujourd'hui un jour extraordinaire, car ce jour où finalement, ce que Papa Simo Kimbangu avait appelé Mpevezabuzimbu, ces peuples issus du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser en utilisant nos colonisateurs. Eh bien, le 24 décembre, en ce jour présent, date anniversaire, le gouverneur Beaumance finalement accepta de signer le décret donnant la liberté du kimbanguisme d'être disposé à l'humanité. Parce que le kimbanguisme, le 6 avril 1921, quand Papa Simo Kimbangu commençait une action ministérielle, le but était quoi? Restaurer l'humanité dans son état premier. Mais vous savez que ce groupe, Papa Simo Kimbangu, dans son organisation, a dédié cela à un groupe qu'on appelle les piliers de l'église originale. C'est l'un des rares groupes au sein du groupe du kimbanguisme, dans leur symbolisme, dans leur symbole qu'ils portent, ils ont le cœur. Le cœur de qui? De celui qui a structuré, parce que Papa Kimbangu, dans sa dimension physique, ici pas sur Terre, il s'est appelé Diangenda Kuntima. Diambu Dio, Diangenda Kuntima. Kuntima, c'est le cœur. Ntima, Makambu. Alors, mes chers amis, j'ai l'exclusivité. Je suis en cours de route. J'ai quitté ma région de Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté. Je voulais pas louper l'occasion. Parce que le groupe théâtral Kibongis, sa divinité, a bien voulu décaler ses festivités à la date du 17 février, l'année prochaine, dans quelques jours. Mais ici, les Kibongis de la région parisienne, les groupes théâtrales Kibongistes seront à côté de la conseillère directe, celle que j'aime bien appeler affectueusement Ngudi Ami Alongo, maman conseillère, maman Ngwengis Lukufi Lukufi, près de sa divinité, Passimoni Mokiangani, le Saint-Esprit. Aujourd'hui donc, le groupe théâtral Kimbongis en région parisienne vont se retrouver à côté d'elle pour rendre gloire à sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mais en venant au cours de route, j'ai eu la chance de croiser des enfants. Les enfants de Papa Simo Kimbangu. Et elles m'ont donné l'exclusivité de ce chant anniversaire de jour. Maman, je suis là. Bonjour maman. Comment allez-vous? N'est-ce pas ce jour de fête? Moi, je suis là. Yekenda valeta muti tuye bati bana mosu bakwa falama Mukuma kendo meka baka lukulu Yekenda valeta muti tuye bati bana mosu bakwa falama Mukuma kendo meka baka lukulu Ongi nuri pasi za mona masi mpere zomu mumakia kalaki Kana nilenda kie kola pili Ikenda walita mutiku iba kipa na mosu mwaka kalama Kuku makia lumbu kama kaluku Ikenda walita Baenda fina kwenda kaza matuka jaka musia kivui lako Itata simu kimbangu Unekirumu kia makumone yeah.
Maman, laisse 100%. Ah bon, il commence 100%. Oui. Maman, papa, si vous voulez nous avoir des bonnes gars, papa, et ça n'est pas émotion. Vous avez suivi l'exclusivité. Vous savez, la ratel qui, la radio télévision qui m'ongisse, dans la structure du média qui, enfin, dans les médias, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du Kimbangis ou des actions de Kimbangu, ici, voilà, on est en cours de route, mais Dieu est grand. C'est vrai qu'on accuse un peu du retard, il est exactement 10h15, le programme était pour 10h30, mais papa Simon Kimbangu, tout s'il enlève. Alors ici, c'est quoi? Il dit quoi ce cantique? Vongi doudim pasisa mona masemeto, mupelezo, mukuma kasalueki. Nga nani lenda ki yekola mumpilei. Si je pense à la souffrance endurée par nos parents, hein, qui s'est donné corps et âme pour cette action ministérielle du kimbanguisme, qui pouvait accepter cela, de cette souffrance endurée? Enkenda baleka mumsitu yebaki vana muzubwa. Ils sont dormis dans des champs, à perte de vue comme ça. C'est-à-dire que dans les champs comme ça, les champêtres, ils s'est là couché parce que ils avaient accepté. Donc baleka mumsitu, mumsitu c'est les champs. C'est-à-dire là on a désherbé. Ils n'ont pas craqué comme on dit, mais ils sont donnés corps et âme. Ils n'ont pas craqué, parce qu'ils ont envie. Et si donc, tata yinulam masemeto, basisa, bana, ils ont laissé leurs enfants, ils étaient, vouilou aou, leur bien. Hein? Ils sont partis loin. Babembola, le bus arrive, mais nous aurons l'occasion, parce que le culte, c'est tout à la soirée. Nous remercions au moment de JTK, maman. Merci. Mais nous pouvons nous exclimiter à l'élo, boye. Nous avons un peu de la bise, nous avons un peu de l'élo, nous avons un peu de l'élo. Si vous avez un peu de l'élo, vous avez un peu de l'élo. Donc, le bus arrive, nous allons rentrer dans le bus. On se donne rendez-vous tout à l'heure à la paroisse pilote. La paroisse pilote qui dirige le maître et maître par la piloteuse. Mboudia Longo, maman Mouilou. L'oufinama français, il est. Faut que tout le monde est là. À bientôt. Voilà, le bus DM5 est là. Maman, t'as là, au bout de l'île, il est là. Merci. Voilà, nous continuons donc le programme. Bonjour, monsieur. C'est gentil. Votre réseau de bus est venu. Donc, nous poursuivons le programme. Destination ce voyage. Voilà, je vous propose maman. En un jour sacré, nous nous rendons rond de gloire. Comme il est d'usage, ne soyons pas ingrats.
aujourd'hui, c'est le jour du repos, mais consacré à sa divinité, Tata Kimbangu. Donc, que chacun soit conscient qu'on n'ait pas l'attitude d'ingratitude. Ne soyons pas ingrats. Aujourd'hui, c'est le jour consacré à sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Lèvons-nous. Ne soyons pas des corbeaux. Katukala minganga ko. Kadiminganga. Mounso mumbandu ya noa. Bayenda kwa ou. Kabalandi la lutumwa. Mounso katumwa. Kwa noa ko. Wenda tanabo. Nza di yuminye. Ou mamba mamanis. Kanti. Patati wa mamba ou. Aujourd'hui donc, le décret. Si Papa Kimbangu me permet, aujourd'hui, c'est quoi? Le cantique de Jiteki là est très très vraiment disponible. Vongindudi, Mpasiza Monama Semeto Mpelezo Mukuma Kesaluiki. Si je pense à la souffrance de nos parents à cause de ce ministère ou de ce travail. Nga nani lenda ki yekola mumpilei. Qui pouvait s'y donner comme ça, corps et âme, pour cela? Nkenda nale kamu situ. Ils ont été traînés dans des champs. Ils ont été flagellés par le flamand. Vous savez que la colonisation flamande, les flamands étaient très, très méchants vis-à-vis de l'homme Kodombé, de l'homme Congo, de l'homme africain. Du Congo là-bas, à l'époque, les flamands étaient très, très. Ils avaient un comportement bestial. Hein? Continuons, il dit quoi? Yenkenda, baleta mon situ, yebakivana, mon joua kwa falama, kumakandombe kabaka lukulu. Ils ont accepté cette humiliation pour que l'homme à l'époque appelé noir puisse retrouver la liberté. Parce qu'en ce moment-là, noir voulait dire. Vous savez que le mot noir vient du latin negro negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. On était un peuple, c'est-à-dire que répudié vis-à-vis de l'univers. Voyez-vous? Et donc, nos aïeux, Tata Kimbangu et tous ceux qui ont suivi, c'est pourquoi nous parlons aussi du mémorial, mais pas des mamans. Tokani sa les kambouya mémorial. Ndako wana fou et tonga mamba ou mango pambati. Ndako wana yangoundi toko koma ba koma koma na biso ba nyoko maki na musala oui. Nengo tolo bawa. Enkenda ba le kamu situ. Yepa ki vana mouzoua kwa falama. Ils étaient flagellés, tapés, tabassés, comme rien à faire. Tata yindu la masemeto. Bazizi la musalweki kaba vutu kamanimako papa Simon Kimbangu Kiangani. Pense à la souffrance endurée à nos parents par nos parents. Ils n'ont jamais cédé en fait. Ils n'ont pas craqué comme tu dirais. Kaba vutu kamanimako, on va retourner en arrière. Tada yindula Masemeto, basi sabana mwilu yeba bemboloa wazimbangi. Ils ont laissé leurs biens, parfois leurs enfants quelquefois. Ils sont allés, ils ont été vraiment, ils sont traités avec une manière bestiale. Bayenda filoa kwanda kabavutuka diaka initiativuila ko. Certains kabavutuka qui sont, certains ne sont pas repartis dans leur territoire naturel. Déportés 37 000 familles, 150 000 martyrs.
pour cela. Et tata Simon qui va ou nous et qui l'oumou qui a ma coulée ya en ce jour 24. Si l'oumilou l'année qui me pointe à tout bas qui me kyo. Voilà la promesse accomplie. Nous avons cette indépendance car l'arrêté ministériel signé par M. Beaumont, c'est ce jour. Il ne faut pas dire à dire j'étais qui moi qui m'a parce qu'il m'avait traité de 1921 à 59. Vous m'avez relégué, déporté, mais finalement vous me reconnaissez. Alors il dit la phrase j'étais qui? Qui étais-je moi qui m'a ou? N'est-ce pas Dieu le Saint-Esprit? Hein? Hein? Et tata Simon qui m'a ou? Ou nous qui l'oumou qui m'a poumoulé, ya, yindoula, bakivana, vous saluez qui bakembela? Pense à ceux qui ont enduré. Excusez-moi, madame, désolé. Merci, c'est très aimable. Allez-y. Papa Simon Kimbangu, pense à la souffrance endurée par nos aïeuls. Ils n'ont pas cédé. Tout à l'heure, je disais, ils n'ont pas craqué, n'est-ce pas, Moutamoutou? Ils n'ont pas craqué. Pense à moi, à la souffrance endurée. Aujourd'hui, nos enfants, nous sommes ici dans le territoire de ceux qui sont inquiétés, venus à l'époque nous perturber. C'est vrai que dans le Congo français, ils ont fait ça une année avant, en 58. Mais là, dans son territoire naturel, le corps, parce que Papa Kimbangu qui est en trois positions, la tête Angola, l'abdomen la RDC et les pieds le petit Congo français. Là-bas, c'est là-bas que dans un premier temps les Français avaient reconnu, mais les Flamands étaient toujours intraitables vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Et donc la souffrance avait duré. Les ténors disent quoi? Nkenda, mon tima, mon passis à mon amassé. Je suis vraiment dans le. J'ai mal dans mon cœur à cause de la souffrance endurée par nos aïeux. Nkenda, Nkenda, Kinsanga, Kiame, Kidadanga. J'avais des larmes aux yeux, Kinsanga, Kidadanga. Nkakazeto, passez pas moi ce soir, Kofalama. Ils ont souffert, le flamand les a traînés dans la boue. Kazatezo, Kiaouko, c'est-à-dire qu'ils ont souffert, ils ont duré de souffrance qui n'était pas à leur mesure. Mavovang, Momavangama, Mukuma, Kiangendombe, tout ça s'est accompli à cause de toi, peuple qu'on appelait noir à l'époque. Mais aujourd'hui, nous disons, nous entreprenons les démarches auprès du flamand, enfin, tout au moins ici en France, à l'académie. Il faut qu'on enlève le terme noir. Nous, on n'est plus noir. Parce que, on sait, date du 24 décembre, c'était la même date que le Christ et Jésus, Papa Dialungana, accepta le pardon de l'homme noir, de l'homme nommé, parce que notre aïeul premier, c'était Adam. Et en ce jour, donc, Adam, nous demandions pardon. Papa Dialungana, qui était physiquement présent, c'est le seul de tous les Kimbangu au monde entier qui était en veste à Bakos, qu'on appelle Nzengankan, Nzengao. Nous tous, les Kimbanguis, on avait revêtu ce qu'on appelle le Ngoto. On s'était humilié devant Dieu à cause du péché originel de notre ancêtre Nkakamuki, qu'on appelait Adam, et Maman Keng et Maman Ève. Et ce jour-là, donc le 24 anniversaire et le 24 décembre, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, nous reconnaissions notre erreur. Parce que ce que le grand-père a fait comme erreur, le petit-fils peut demander pardon et Dieu entend. Ainsi donc, nous, Papa Diengenda, 34 ans durant, 24 ans sur 24, avait organisé cette succession de décisions afin que nous demandions pardon du péché originel. Tata Yindoule, Yindoula, Ouba Yindoula, quoi, ou Moussalé qui pense à eux pour la souffrance endurée, papa. Ils sont pas repartis en arrière, ils ont pas cédé. Ils ont pas craqué. Il a craqué. Non, mais ils n'ont pas craqué. Donc ce mois de décembre. Mabikoulo Malungane, donc c'est la Bikoulo. C'est-à-dire que ce qui était prophétisé, c'est accompli. Parce que Papa Kimbangu dira, moi je monte.
mais vous reviendrez. Et cela s'est accompli. Donc, je vous laisse encore, pour ne pas déranger le public, parce que le cantique est disponible, ça, c'est le gros, apparemment, c'est le cantique qui est programmé en ce jour pour le groupe théâtral Kimonguis. Ce groupe où Papa Simon Kimbangu donc dira à Moutamou, Papa Kimbangu dira au gouverneur Beaumont, j'étais qui? Qui étais-je moi Kimbangu? N'est-ce pas tu le Saint-Esprit? Donc, papas et mamans, levons-nous, allons à l'église, ne soyons pas des ingrats. Aujourd'hui, c'est un jour consacré à sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Pour ceux selon leurs croyances, ceux qui croient en catholicisme, ceux qui croient en salutisme, ceux qui croient en paix violente, aujourd'hui, c'est le jour consacré au Seigneur. C'est le jour J. C'est un jour spécial. Ne soyons pas ingrats. Dieu nous a donné 6 jours pour nous, mais le 7e jour est consacré pour lui. Si vous ne faites pas le corbeau, on ne vous contentez pas de la télévision, du Netflix, de... Non. Aujourd'hui, Papa nous a donné 6 jours pour nous, mais le 7e jour est exclusivement consacré à lui, sa divinité. Si vous avez les moyens physiques, vous avez le souffle de vie, vous êtes levé, vous avez la force nécessaire, alors rendre gloire à Tata Kimbangu, car c'est son jour. Hein? Donc, voilà le cantique, Papa, c'est mon mot. Qui est programmé pour le groupe théâtral Kimonguis. Ça veut dire que ce groupe-là qui a eu, ce jour-là, il y avait une cérémonie qu'on appelait pour aller, remercier Dieu. Je vous lire le décret. C'est le Congo belge, le province de Léopoldville, arrêté numéro 2211/846. Donc je dis, c'est l'arrêté numéro 2211/846. Concernant les associations interdites, code page 876, le gouverneur de province de Léopoldville, vu la loi sur le gouvernement du Congo belge, vu l'arrêté du région du 1er juillet 1947 sur l'organisation administrative du Congo, revu l'arrêté provincial numéro 427/sec.a.o du 16 novembre 1937, tel qu'il a été modifié par l'arrêté numéro 529/319/AIMO du 12 septembre 1945. Arrête. Article 1er. L'arrêté numéro 427/sec.a.o du 16 novembre 1937 est abrogé. Est abrogé. Donc l'arrêté en question est abrogé en tant que mesure de dissolution portée par son article 1er visait le kimonguisme. Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Léopoldville, le 24 décembre 1959, le gouverneur de province, J.B. Beaumont. Voilà comment Beaumont fut résigné, finalement à accepter que le kimbanguiste puisse rendre culte à leur Dieu, Tata Kimbangu. Que malgré les. À rendre Dieu, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, Papa Dialunga na Kiangani, à rendre culte à Dieu le Père. Et de paricocher donc aujourd'hui les trois glorieux que nous signifions qui sont venus sur terre par la première déclaration de l'Église Papa Kimbangu, le 12 février 1914, qui solo qui l'église tout nous tient solo. Dieu le Père est descendu. 2 ans plus tard, il dira Dilungane, Dialungana. Donc, celui qui s'est révélé à 2 ans, c'est accompli que le Christ est revenu de nouveau sur terre, Papa Dialungana, Kiaka. Et finalement, il dira ce qui s'est révélé, c'est accompli. Que dois-je faire avec? Et moi, Kimbangu, je reviens de nouveau le 22 mars 1918, en disant Dianyenda Kuntima. C'est le groupe aujourd'hui qui porte son corps, ce cœur-là, Kuntima Dianyenda. Dianyenda Kuntima. Donc, papas et mamans, merci de votre attention. Nous arrivons au lieu où nous rendons gloire à Papa Simon Kimbangu, à la paroisse pilote de l'Europe, qu'on appelle couramment Saint-Ouen, ce qu'on m'a dit Ouganere, Ouguere, parce que Saint-Ouen veut dire Ouguere, c'est-à-dire ce qui est saint, ce qui est ouin. Ah, le papa est gentil. Merci mon ami, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Papa Simon Kimbangu pense à vous. En tout cas pour votre. Merci très aimable de votre part.
voilà, papa est gentil, il participe à la fête du 24 décembre. Il nous laisse devant le local où nous rendons gloire à sa divinité. Merci papa chauffeur, hein, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous arrivons juste pile poil à l'endroit, nous rendons gloire à Dieu. Hein. Aujourd'hui, papa Simon Kimbangu, voilà, nous arrivons donc au lieu du culte. Hein? Bonne fête, je te dis oye. Maloba na mukola lelo fête mon nene muta mutu bolo bi ngeni. Hein? Tota la gane lelo ken lelo lelo fête mon nene. Hein? Ça est dépendance en fait. Donc lelo nde reconnaissance officielle église kimbangiste, les personnes n'est pas une habitude du lombé. Il y a un groupe théâtral qui m'a dit, c'est donc fait, c'est papa président, papa vice-président national à Tchouloba. Donc, pour moi, la rade, on m'a remis sur le rouleau. L'élonde, mon connabiso, l'élonde, l'élo. L'élonde, l'élo. L'élo, pour trouver matin, ma calamatica. Très bien. Merci, Moutamoud. Bonne fête. Merci. J'étais qui, oye. Voilà, batata ma maman, l'élo, et salut, mon collègue, n'est-ce pas, mon soussou, mon baquet, et salut, mon collègue, oyo. Papa Simon Kimbangu, à l'inga qui était. Lingomba na ye e mona na mokolo mobimba. Oui, bango yeyo. Bazali na mokolo lelo. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Tata Indoule, 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 T
Voilà mes chers amis, je vous avais dit l'exclusivité en ce jour spécial. On est aujourd'hui le 24 décembre, le cantique, le chant est bien contextualisé. On dit bien le 24 décembre, en ce mois, le 24 donc aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une date anniversaire. L'hymnologie Tata Kimbangu est très riche. L'hymnologie Tata Kimbangu est foisonnant. Donc il est clair, les propos sont clairs, le texte est clair. Je vous signale en passant que le kimbanguisme, dans le kimbanguisme, les cantiques ne sont pas composés avec une pensée physique. C'est une pensée spirituelle, c'est-à-dire il y a des gens qui sont disposés. Allons suivre d'abord l'ambiance des guitaristes, des jetiki. Voilà. Voilà. Nous voyons ici le pasteur responsable de la paroisse pilote de l'Europe. Papa Révérend, bonjour. Bonjour. Donc voilà, ici je vous laisse avec le groupe théâtral Kimbanguis en ce jour spécial, extraordinaire, jour de... Où... Voilà ici, vous voyez le pasteur national de l'église Kimbanguis en France, le Révérend Marcel Vatoussi. Comment t'as Révérend? Voilà, c'est le responsable de l'église qui m'engage en Europe, en France, pour devant Bazon Zungasa, Marcel Vatoussiti. Voilà. Voilà. Nous montons à Jérusalem. Voilà, c'est un jour de fête. Vivons l'ambiance donc ici, en ce jour 24 décembre. Nous voyons ici donc les Bambuta de l'église qui manque en France. Là c'est le papa secrétaire de l'église nationale ici en France. Là-bas nous voyons le Mbuta de Koreki, le national de Koreki, le train des enfants qui manguissent. Bavouidi, là les Bavouidi, voilà. Voilà. C'est un jour spécial. Le groupe théâtral Kimbanguiste. Voilà. Le bonheur, nous avons confiance en toi, Passimo Kimbangu Kiangani. Tu nous feras parvenir dans la cité sainte. On va se débarrasser des pratiques de Satan, Lucifer et Kadian Pemba. Il y a un
mimi Sose nga kwesi Mokumba oyo Yakombe mato solo na mokili 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 Mokombo ya sape Mokili masakute Mokombo mama jali Kote ya kasi Mokili masakute Sose nga kwesi Mokumba oyo Yakombe mato solo na mokili Amis, donc on est ici à la Paroisse Pilote où nous avons le groupe théâtral. Voilà, maman Zanzabi Sadi qui passe.
Voilà mes chers amis, donc aujourd'hui on est jour spécial, on est un 24 décembre, jour à laquelle où le kimonguisme au niveau de la République démocratique du Congo trouva sa liberté culturelle. Donc on n'était plus enfermé, on n'était plus perturbé, et ce jour-là, le bon moment signait le décret. Suivant. Thank you.
Voilà, mes chers amis, donc on vous couvre cet événement extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on est le 24 décembre, date de la présence officielle de l'Église adventiste de la République démocratique du Congo. Le miroir de la société de Kimbangu s'est passé en 24 décembre. Voilà, ils sont là. Le groupe théâtral Kimbangis, ici nous voyons le papa secrétaire national du groupe théâtral Kimbangis ici en France, papa Patrick Mavambou, qui est un confrère en même temps des médias. Voilà. 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 Voilà, une petite marche joyeuse ici à la paroisse pilote. La marche joyeuse, une marche joyeuse ici à la paroisse pilote. Voilà. Voilà la marche joyeuse du groupe théâtral Kimbanguiste ici en région parisienne, un 24 décembre. Lui, c'est le secrétaire du groupe théâtral Kimbanguiste ici en France. Amen.
Je ne sais pas si tu es un homme.
Voilà mes chers amis, ici on est en exclusivité en région parisienne, à la paroisse pilote de l'Europe, où le groupe théâtral kimbanguiste rend gloire à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, parce que c'est le jour qui lui est consacré, plus précisément encore extraordinaire, c'est un jour de fête. C'est-à-dire, c'était donc un certain 24 décembre 1959 où l'autorité coloniale belge finalement se résigna à reconnaître l'église de Jésus-Christ sur la terre par son responsable Papa Simon Kimbangu. Ce fut un 24 décembre, l'arrêté, je vous ai dit tout à l'heure, lu par, décrété, écrit par le gouverneur Beaumont, hein, J.B. Beaumont, qui avait écrit ce décret. Suivant. C'est les groupes théâtrales dans leur préparation de rendre gloire à Dieu, à sa divinité, Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Voilà. Voilà, c'est le groupe théâtral qui m'ont dit. Oye, 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 de l'église originale. 100%. Voilà, mais donc je vous laisse ici. Le groupe théâtral a eu son programme. Aujourd'hui, c'est leur jour consacré spécialement. Normalement, ils sont censés monter un Kamba, la nouvelle Jérusalem, pour rendre gloire. C'est la date où Papa Simon Kimbangu, sa divinité, avait dédié donc à ce groupe théâtral kimbanguiste. Mais, sauf que les contraintes physiques ont fait que Papa Simon Kimbangu a bien voulu décaler ses festivités en février prochain. Je crois que ça doit être le 17. Le groupe de Kata Kimongi a appelé à monter en Kamba le 17 février prochain pour en mémoire de cette date du 24 décembre. Donc voilà, nous allons vous laisser. Nous, on va rentrer dans le temple, dans le local où nous allons rendre gloire à Dieu. Je crois que mes amis de guitaristes sont encore arrivés. Je vais essayer de localiser un petit peu. Ici, je vais chercher à localiser mes collègues GTP. Voilà, je crois que c'est terminé pour cette marche joyeuse. Je vous laisse. Ainsi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Merci. Et c'était une communication donc du média Tata Mediaki, donc dans le cadre de cette communication. Je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir. Très bonne journée à vous. Et bonne journée dominicale. Bonne fête au groupe théâtral Kimbanguiste et à tous les Kimbanguistes du monde entier. Nous allons voir évidemment la divinité. Merci Papa Simon Kimbangu de nous donner ce souffle de vie aujourd'hui. Nous sommes dévoués, comme le dit le cantique du Tiki, que nos aïeux à l'époque avaient accepté cette souffrance. Aujourd'hui est devenu notre jour de bonheur. Papa, merci. Et à tous tes conseillers, conseillères, partout où ils sont, bonne fête à eux et qu'ils continuent à nous guider dans leur action afin que nous puissions les accompagner en ce qui concerne nous et nous, leurs enfants, dans ce travail. Ainsi, je vous dis, l'ombukiamboté, l'omengulamboté, c'est toi mon âme. Une prière là-bas.
Voilà.